Il faut pas rêver, Pierre. Il n'aurait aucun cas où. Tu sais, il y a déjà euh, à l'époque de Nasser, quand le monde arabe il a fait la guerre contre Israël. Tu te rappelles de cette histoire 67. 67. 67. Jusque maintenant, ça fait combien d'années Ça fait 49 ans et 51 ans. 51 ans. Alors, en 67, eh, l'Israël était tellement jeune, c'est un conseil que je veux donner à tout le monde. Ce n'est pas pour défendre eh, quel, quel pays ou être contre l'autre pays, c'est des informations que David Abassi va vous donner ce soir à tous les cons, tous les cons dans le monde qui pensent à la destruction d'Israël, qui pensent qu'Israël patati, Israël patata. patata. Imaginez-vous, il y a déjà 50 ans, le monde arabe, et avec grande puissance de l'Égypte, de Jordanie, de la Syrie, tata, 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 ils ont attaqué l'Israël. Ils ont fait la guerre avec l'Israël qui était tout petit, tout jaune, les moyens militaires étaient tellement faibles. Et ils ont perdu. Et ils ont perdu Sinaï, Konaï et beaucoup d'autres choses sont parties. Alors après 50 ans. Et l'Iran, c'est rien de tout. L'Iran en face d'Israël, c'est rien de tout. Surtout qu'Israël maintenant, il a le monde entier avec lui. Surtout Arabie Saoudite et les pays du Golfe Persique. Et tous ses ennemis d'hier, soi-disant, aujourd'hui, ils sont avec lui. Les ayatollahs en Iran, c'est des cons et c'est des esclaves des grandes Bretons. Les clergés chiites, c'est écrit par les par les, les Britanniques, Et, euh, ils sont obéissants aux Britanniques, ce sont eux qui vont créer des conflits dans le quartier, conflits pour rien du tout. Parce que jamais ils ne peuvent pas faire face, même deux jours, contre Israël. Qu'il soit l'Iran avec l'Irak, avec le Liban, avec tout ça. C'est pour ça, euh, ils sont cons, et tous les gens, parce que moi, tu sais, Pierre, j'écoute les propos des ayatollahs iraniens, et je l'écoute en iranien. Quand ils parlent avec le peuple, et le peuple qu'ils pense qu'ils sont des moutons qui ne comprennent rien, ils disent « Oh, nous on va détruire Israël ». Mais jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, il y a des attaques des alliés américains et d'autres contre un régime iranien. Et même Israël, il a fait, fait quelques attaques en Syrie, et ils n'ont rien fait, parce qu'ils ont peur les Iraniens, avant enfin, pas les Iraniens, les ayatollahs iraniens. Mais c'est de la blab c'est de la blabla. Après, il y a certains d'autres imbéciles aussi dans le monde qui pensent oh, Israël patata, Israël patata. Les manifestations qui sont encouragées par l'argent de pétrole, c'est l'argent. On donne, on paye au mouvement palestinien. Et il crée les manifestations. Moi, je suis un, en même temps que je suis écrivain, je suis businessman, je, je, business je, je suis politicien, je, 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 je connais des choses. On a Pierre, organisé plusieurs manifestations depuis 50 ans, 40 ans. Tu sais, quand tu organises une manifestation, il y a un projet, il y a un business plan. Il faut soutien de certains médias, il faut avoir le moyen. Ce n'est pas comme ça que tout un coup, les Palestiniens, il faut sortir dans la roue. Euh, voilà, le slogan de retour des réfugiés ou je ne sais pas quoi. Tout ça, il y a euh, des choses derrière. Et, et, et après, à la fin, le perdant, le perdant c'est celui qui est le, le plus faible. Et le plus faible maintenant, ce sont tous, les, tous ces gens-là qui sont en face d'Israël. Israël, il est fort oui, depuis 6 000 parce que tu as dit il y a quelque temps que l'Iran et Israël étaient la main dans la main, que c'était des blagues, tout ça, pour les médias et tout, que Israël avait aidé l'Iran dans la guerre contre l'Irak, que c'était des potes et tout, c'est que c'est du cinéma, tout ça et tout. C'est bizarre que tu dises le contraire maintenant Non, je ne dis pas le contraire. J'ai dit une partie. En Iran, il y a une partie du régime, une partie du régime. C'est les intégristes musulmans qui, qui sont comme ça. La majorité ne sont pas comme ça. Tu sais, pour une des raisons que Trump va casser euh, l'accord avec l'Iran, tu sais c'est quoi C'est quoi Une chose, c'était ça. Rouhani, le président iranien, il a signé comme quoi il ne, et il ne doit plus donner aucun slogan contre Israël et contre l'Amérique, c'est-à-dire Abba Abba Israël, Al Maut, Israël, on va détruire l'Israël, détruire l'Amérique. C'était dans leurs accords de ne pas insulter, de ne pas souhaiter la mort d'un pays, de ne pas souhaiter la destruction d'un pays. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je suis en train de parler avec toi Pierre, jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes samedi, et 20 quoi 28 et, et, du mois d'avril, hier qui était vendredi, 27 avril 2018, hier dans toutes les prières de vendredi d'Iran, les gens, ils ont donné encore le slogan, euh, ils ont souhaité euh, destruction d'Israël et Abba israël cest C'est-à-dire... Il l'Iran dans ce point-là, il n'a rien respecté. Il donne des slogans après il n'est capable même pas de défendre deux de ces généraux, quatre de ces généraux qui étaient assassinés, qui sont assassinés tous les jours, qui sont en Irak. C'est une partie du régime, il a signé ça, mais l'autre partie que c'est euh, peut-être minorité en Iran, mais ils ont le pouvoir, puisque c'est le guide spirituel qui gère, ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas 100% dans la politique internationale, comme le président Hassan Rouhani, il est dans la politique internationale, il, il traite les gens, il parle avec les gens, il, il, il dialogue, etc. Ou oh, il continue toujours a souhaité la destruction d'Israël. Même si, hier, j'ai entendu moi-même, parce que je regarde les informations, j'écoute, dans la prière de vendredi d'hier, même, comme depuis 40 ans, ils n'ont pas respecté l'accord signé avec le monde. Tu ça, ça Mais, veut dire. Diffusé à la télévision, euh, les prêches de, de, de la mosquée. Ah ou oui oui, vous pouvez le regarder. Il y en a à la télévision, ou comment c'était. C'est dans plusieurs mosquées, dans beaucoup de mosquées. Non, c c c ça fait dans les grandes mosquées ou dans, à, à Téhéran, ça fait dans l'université de Téhéran. Après, c'est diffusé en direct par les chaînes de télévision internationale iranienne, que ah ouais. vous pouvez le regarder, hein, parce qu'ils ont des chaînes de télévision diffusé sur satellite Hotbird, ici sur Hotbird vous pouvez regarder. Sinon, même si vous tapez sur l'internet point opian.ir, vous avez tous les, toutes les chaînes de télévision iraniennes les vendredis. Regardez, écoutez, euh, les gens, plusieurs milliers de gens qui partent, ils vont faire leurs prières, ils, ils souhaitent la destruction d'Israël. Alors, quand toi tu souhaites tous les jours, euh, ah, écoute. Euh, moi-même, toi Pierre, toi, si quelqu'un vient ici, il doit te, te frapper, il souhaite ta mort, toi tu vas te, 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 te défendre. En plus, ah une oui. fois, deux fois, mais, mais, mais si, si, si c'est tous les jours. Et c'est ça que certains qui sont cons, ils ne comprennent pas ça. Et ils continuent même. Et ils continuent, tu ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un dans un en pays et de serrer la main pour te ramasser plusieurs milliards de dollars qu'on va te donner. En plus, je suis désolé, je suis désolé, c'est des souhaits gratuits. C'est des sujets gratuits parce que aura si une en guerre entre euh, n'importe même Arabie Saoudite avec l'Iran, s'ils font la guerre, ce n'est ce pas cette fois-ci ça dans mon sein, puisque officiellement le monde entier est avec les Arabes. <laughs> le, le monde entier, parce que depuis 40 ans, ils ont préparé le champ, les chiites sunnites, et ils ont préparé, c'est vrai que la semaine dernière, M. Euh, Jacques Miard, député maire de Maison Lafitte, il était mon invité, lui-même il a dit il n'y a pas de la guerre chiite-sonnite. Mais c'est vrai que dans le fond, il n'y en a pas. Mais dans l'image, dans, euh, euh, dans la scène euh, médiatique et politique, ça, ils l'ont créé et ça, ça existe. Tu comprends Oui, d'accord. Bon, je vais juste rappeler, qu'ils ont des dire. Qui parle un peu de, <laughs> sur les évangiles, sur les juifs et les. les c'est qui Bonsoir. Ah, Allez, au revoir. Mmh. Au revoir, au revoir, au revoir, écoute connard, écoute connard, pardon, même l'antenne du... si toi, euh, euh, tu peux venir sur l'antenne de t'exprimer, te, de te, de, 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 de hein, toi, tu peux, tu peux, alors, voilà, tu es euh, sur, mmh. vous savez, j'ai une seule personne seulement, que sait, il est tellement, qu il, quoi, il, il téléphone, une seule personne qui nous appelle, qu'il insulte les juifs. hors et, et, antenne, bien sûr, comme tout à l'heure. Papier, hein, papier, c'était quelqu'un d'autre. Il insulte, il insulte tout le monde, et, plusieurs fois, mais il ne sait pas ce qu'on a. Que, si tu as des arguments, des arguments, tu peux venir sur l'antenne, t'exprimer. Mais insulter, ça, c'est fini, ça. Si tu bois deux bouteilles de, de vin, après tu prends le combiné de téléphone. Le... Il faut te soigner, mon ami. Voilà. Et, euh, les gens comme ça, ça existe, mais une seule personne. C'est une seule personne. Et de temps en temps, il vient, il se permet de venir n'importe quel heure n'importe quand, euh, pour insulter le GIF, et insulter nous. Après, euh, voilà. Il parle. Mais si vous avez des arguments, venez, donnez-moi ici vos arguments. Mais les paroles d'imbécilité, comme je viens de vous dire, Iran, il a signé son accord en juillet 14 juillet 2015. Et là, il a promis d'arrêter les slogans et les souhaits prononcés dans les médias, parmi la population, dans les prières du vendredi, je ne sais pas quand, contre les autres pays. Il n'a pas respecté. Et quand tu es en train de donner ton slogan depuis 40 ans, crée une haine morale, morale. Comme beaucoup des gens qui cette haine, il est moral, il est parce que vous savez, les les gens, à co... en plus tout ça, c'est à cause de jalousie. Je suis désolé, les Juifs ni l'Israël n'ont pas besoin de moi de défendre. Mais c'est des informations que je vous donne depuis six ans. Parce qu'ils sont dans l'année 5700. Voilà. Depuis 6000 ans qu'Adam Adam a été expulsé d'Iran vers le Sinaï, quand il, il, a, il a été rejeté de paradis. Euh, euh, dans, vous savez l'histoire d'Adam et Eve. Ils disent il que ce n'est pas plusieurs milliards d'années que l'homme existe. Ça fait 6000 ans qu'Adam a été exilé de paradis. Vers le Sinaï. Alors, cet paradis, c'était le royaume, le royaume de Chouch, de Sousse. C'était le royaume de Mésopotamie, un pouvoir politique créé par les idées de Mitra. C'était dans le Perses. Alors, Adam était un révolutionnaire. On l'a expulsé de civilisation de Sousse vers le Sinaï. Après, il a demandé d'avoir sa une femme avec lui. On l'a donné Ève. Après, c'est là qu'il a créé. Voilà tout ce que vous pouvez constater actuellement. Depuis ce jour-là, Adam était premier exilé. <laughs> et voilà. C'est une version laïque de Adam et Ève que David vous donne. Depuis jusqu'à aujourd'hui, Hitler n'était pas la dernière. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui sont venues, qui ont voulu euh, détruire et, et éliminer et les Juifs. C'était énorme. Vous savez que le roi Cyrus a libéré les Juifs du Babel, c'est-à-dire ils étaient des esclaves, comme des esclaves à Babel. On avait tué beaucoup de gens, après, ils étaient des, des esclaves. Vous connaissez bien l'histoire de Spartacus. Et Spartacus aussi, c'était un juif, qui voulait sauver les juifs, euh, qui était prisonnier. Après, vous connaissez beaucoup d'autres histoires, mais Moïse, Moïse, il va libérer euh, les esclaves juifs, qui étaient esclaves dans le royaume de Pharaon, en Égypte. Mais tous... Soit l'époque de Spartacus l'époque de Moïse, l'époque de Achéminite et Roi Cyrus, et jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à il y a déjà 70 ans, Hitler, à la fin, c'est les juifs qui ont gagné. C'est les juifs qui ont gagné. Les destructeurs s'étaient oubliés dans l'histoire et non en salut. Était vers ces gens-là. Hitler, Hitler, sauf en poignée de main de quelques milliers de gens partout dans le monde qui soutiennent les nazis. Vous voyez d'autres personnes Mais Même les mouvements nazis, qui soient d'extrême droite dans certains pays, peut-être l'origine de, 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 de l'idée, c'est naziste, ils n'osent pas de soutenir Hitler ni le nazi allemand. Ah, c'est-à-dire c'est une haine et c'est un conflit qui ne sert à rien, mes chers amis, qui ne sert à rien. Il faut penser à l'amitié, à la paix, à l'amour, à la vie que vous avez où, parce que vous regardez les Marocains, les Tunisiens. En Algérie, c'est il n'y en a pas beaucoup de Juifs, mais en Maroc vous avez des Juifs, en Tunisie vous avez des Juifs. Dans beaucoup de pays musulmans, vous avez des juifs. Ils vivent comme des frères ensemble avec les musulmans. Ils n'ont pas de problème. Même quand on parle de Seferat, euh, avec les ashkenazes, les ashkenazes, puisque c'est les juifs européens, c'est autre chose, un peu laïque, tu sais, mais Seferat, quand vous parlez de temps en temps, ces gens-là, vous, vous voyez qu'ils défendent les musulmans, que vous pensez que c'est des musulmans, ce n'est pas des juifs. C'est pourquoi, puisque l'amitié qui était chez eux, qui existe toujours, parmi les juifs, par marocains, tunisiens et d'autres, c'est une amitié de la paix. Il n'y a pas de la haine. Parce que cette haine, moi je dis jusqu'à... Je, je parlais de Spartacus, j'ai parlé de Babylone, le roi Cyrus, de, de l'Égypte, et Moïse, mais il faut pas oublier qu'à l'époque du prophète de l'islam, Mahomet, il a fait... Beaucoup de guerres contre les juifs. Il a détruit beaucoup de villages de juifs, qu'ils soient Taïf, Kheibar, Bani Koraïve. Il a exécuté plusieurs juifs dans un, dans un seul jour. Il a tué, il a massacré, il a gorgé les, les juifs. Mais imaginez-vous où sont les juifs actuellement et où sont les autres. C'est pour ça que je vous prie, pour créer la paix dans le monde, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas être imbécile. Il faut, moi, je suis, je sais très très bien, je ne suis pas naïf. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent, pour la plupart, ils, sont, ils soutiennent des Palestiniens, ils sont contre Israël, et tu sais, mais s'il vous plaît, c'est juste avec vous que j'en parle. S'il y a un problème entre les Palestiniens les Israéliens, laissez-le Isra qu'ils arrangent entre eux. À cause, de me regarde, elle regarde, regarde à l'Iran ou à l'Arabie Saoudite ou d'autres pays pour aller là-bas investir. L'un, il paye à droite, l'autre, il paye à gauche et le conflit, ça continue. Et après, le conflit arrive ici, ici en France, je ne sais pas où, etc. C'est des êtres humains. Si quelqu'un est intelligent, qui travaille mieux, qui travaille plus, il mérite de gagner plus. S'il ne travaille pas bien, moi je vais vous dire une chose il y a des gens qui peut-être même ils ont des problèmes financiers mais jamais ils ne veulent pas venir vous dire ils ne veulent pas aller euh, chercher à droite à gauche à l'équation je ne sais pas quoi ils essaient de travailler moi 40 ans que je suis en France je vous donne un exemple, 40 ans j'avais les bas j'avais le E, j'avais plus d'établissement et j'avais rien du tout bon, j'avais fait des faillites après tatati tatata ta, ta. mais je vais vous dire une chose, jamais j'ai pas allé jamais je n'ai pas touché un centime de chômage. Même pendant des années, j'étais en chômage. Vous voyez, j'étais en chômage. C'était mon droit d'aller m'inscrire. Je n'étais pas, pas allé m'inscrire. Voilà, ça, ça c'est très facile. Maintenant, vous pouvez faire les enquêtes aller tac-tac-taper vous pouvez voir. J'étais en chômage. Je travaillais pas. Je travaillais très peu, peut-être, que je méritais de toucher l'allocation. Mais je n'ai pas touché. Je suis pas inscrit. Après les autres, quand ils voient le cravate de David avec la chemise, avec le gilet, oh, c'est un milliard. Non, mes amis, l'histoire, ce n'est pas comme ça. Laissez tomber cette jalousie que vous avez dans la tête, parce que c'est des jalousies. Nous sommes des êtres humains, nous devons respecter notre prochain. Nous devons respecter les êtres humains qui travaillent, qui inventent, qui créent des choses. Un exemple, je vais vous donner pour le dépasser. Ce débat, je regarde aujourd'hui, notre ministre bien-aimé, Bruno Le Maire, il était en Bulgarie avec plusieurs d'autres ministres d'économie européens. À la fin du débat, à la fin de réunion, c'est lui qui a commencé à parler. Alors quand il a parlé, il a proposé qu'on augmente un peu les impôts concernant Amazon, Google, Apple, euh, eBay, PayPal, je ne sais pas quoi, tout ça. Il a proposé ça, il a dit qu'il faut euh, augmenter les taxe euh, pour ces grandes entreprises américaines. Imaginez-vous, les autres pays, qu'ils soient euh, des pays pauvres européens ou qu'ils soient Grande-Bretagne, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, ils ont dit avec cette minime. Euh, taxe qui en fait, puisqu'il gagne plus. Quand tu taxes moins, mais son chiffre d'affaires est plus, euh, le pays, il gagne plus, parce qu'il a aussi la, la, la possibilité de, de vendre plus. Ça, c'est une idée juive. C'est une idée juive, de baisser le prix, augmenter le chiffre d'affaires. Quand tu augmentes le chiffre d'affaires et tu baisses le prix, déjà, euh, les gens qui vont profiter, ils vont en être plus, et tu vends plus, et en même temps que tu vends plus, tu, vends, tu gagnes plus, et l'État aussi gagne plus sur son année TVA. Mais si tu, tu vends cher, tu ne vas pas vendre assez. Vous vous rappelez de Tati Vous vous rappelez, par exemple, Free, actuellement, on, moi, je ne veux pas faire publicité, mais regardez la compagnie Free, téléphonique. Dès qu'il est venu, il a cassé les prix. Le coût de communication téléphone portable ADSL était tellement fort et c'est lui qui l'a cassé le prix. C'est-à-dire, ici, au lieu d'être jaloux, il faut remercier, il faut l'apprendre. Il faut apprendre le business. D'où le businessman. Faites du business, gagnez de l'argent avec des méthodes en faveur des gens. Aujourd'hui, on dit BDS. BDS contre qui Des grands supermarchés français contre les petites qui ne vendent pas cher. Il y a d'autres euh, supermarchés qui ne sont pas trop trop chers, avec, tu rentres euh, là-dedans, avec 20 euros, tu peux acheter pour une semaine et sortir, mais si tu vas aller dans un autre euh, supermarché, qui soit Carrefour ou Monoprix ou Franprix, euh, le même 20 euros, tu dois payer 30-35 euros. Le prix est bas, et vous, ils vendent plus, ils gagnent plus, et là, il ne faut pas être jaloux. Seulement, ce conflit Israël-Palestine s'est gardé jusqu'à maintenant par, par les grandes puissances colonisateurs. J'en avais déjà parlé. C'est ces gens-là qui ont peur qu'Israël soit tranquille, qu'il travaille bien. Après, il va conquérir le quartier de Moyen-Orient, le Proche-Orient. Et certains pays, comme le grand bretagne comme la Russie, ils ne veulent pas. C'est pour ça que je regardais tous les mouvements Palestinien, pour le coup, c'était des communistes, soutenus à l'époque par l'Union soviétique, parce qu'il y ont une euh, politique proche. Je suis un spécialiste, je fais des études à ce sujet, je, je, ne, parle pas, je ne dis pas n'importe quoi. Russes Rousse et la Grande-Bretagne, depuis des siècles, ils sont unis dans leurs intérêts colonisateurs. Ils sont unis. Alors, euh, non plus, il ne voulait jamais une puissance dans les quartiers comme Israël qui bouffe tout le monde. Après, après les intérêts économiques de Grande-Bretagne, de la Russie va affaiblir. C'est pour ça que nous parlons des mouvements palestiniens. Récemment, ça avec l'Iran, que les Britanniques, ils ont créé Hamas. et sais que même ça d'origine, c'était les services israéliens qu'ils ont créés pour euh, faire la, la face contre euh, d'autres mouvements, mais enfin, à la fin, tous les mouvements palestiniens c'était des mouvements euh, gauches, euh, communistes. Ce n'était pas pour Palestine, c'était pour l'économie, pour le quartier, pour l'argent. Encore c'était la question, question de l'argent, mes chers amis. Voilà. Et chaque fois quand ils vont arriver au bout pour romper, tout d'un coup, il y a un conflit qui commence. Qui, qui, qui commence tous ces conflits-là Par exemple, tu, chaque fois quand euh, on a parlé de l'Iran, si, si l'Iran va avoir de bonnes relations avec la France, c'est le, le président iranien, Rafsan Jeni, à l'époque. Il va venir à Paris en touche pour partir ici. Champour Barthéle est assassiné, et le conflit, euh, c'est fini. Après, on peut avoir de bonnes relations. Après, Macron il va aller en Iran. Et dès que quelques jours, semaines avant que Macron il va aller en Iran, des grandes manifestations en Iran l'Iran assassin, l'Iran patati, euh, le voyage est annulé. Après l'autre voyage, il était programmé pour, pour cette année, de Macron, je ne sais pas s'il va suivre ou non, après son voyage avec, euh, aux États-Unis. Euh, tout ça, c'est question de l'argent. C'est question de l'argent, c'est question de signature de contrat. Et le concurrence à l'amiable qui existe entre les Américains, les Britanniques, contre la France, contre l'autre, et tata. Ta, 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 ta. Ils sont amis, mais en amitié, ils ont une concurrence. Ils ont une concurrence réelle, une guerre réelle, pour gagner plus. S'ils vont acheter des avions européens, ou ils vont acheter des avions américains. S'ils vont acheter des nucléaires européens, euh, français, ou ils vont acheter des nucléaires russes, ou nucléaire américain. Tout c'est ce, question de l'argent. Et vous, vous êtes assis chez vous, vous ne comprenez rien de toutes ces histoires-là. Oh, Israël, oh, Palestine, oh, euh, surtout euh, cette personne qui tout à l'heure, il vient de nous appeler oh Anthony, que je le connais. Je suis désolé de te dire, tu es toujours sous. Tu ne, tu ne comprends pas les, les mots qui te prononce. Tu, tu prends ton vodka, ton whisky, je ne sais pas quoi, après Palestine. <laughs> de toute façon. Vous avez la parole, ne soyez pas jaloux, n'ayez pas, pas la haine, un vogue. Quand ceux qui travaillent plus, ils gagnent plus et ils vivent mieux. Et il est intelligent, il fait marcher son intelligence. Vous aussi, vous pouvez faire marcher votre intelligence pour gagner plus. 08 92 23, 95 20, vous avez la parole. Avec vos arguments, vous voyez contester les propos de David Abassi. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, Ici et Maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis, des 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présentée par David Abbassi, écrivain et historien. avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm.